Attends, je vais me cacher. Regardez, regardez. Tu es malade. Aïe. Cette souffrance-là, ça suffit. Quand est-ce qu'on va trouver un beau travail et faire maintenant, hein? Tous ces bang-bang-bang-bang n'ont pas marché. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Hein, je veux dire, on aille chercher, même si c'est pour devenir coiffeur, mais on ne sait pas coiffer. On peut devenir mendiant. Moi, devenir mendiant de cette ville? Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que je parle chinois? Et tu parles comme si tu as déjà l'argent. Attends, je vais te dire, la meilleure affaire, c'est qu'on ramasse les bouteilles pour aller les vendre. Bonsoir, monsieur. Comment? Ça va bien? Donne-moi comme d'habitude, madame. Comme d'habitude? Oui. D'accord. C'est combien? C'est parce que nous t'aimons bien que nous voulons t'acheter tout ça là, hein. Tu sais, tout ce qui est là, là, n'atteint pas le prix qu'on voulait acheter, hein. Ma bouteille est plus jolie que l'autre, non? Quel genre de bouteille? Même cette bouteille blanche là, tu n'utilises même plus ça? On achète ça à 50 gobos. Tenez votre argent. Vous m'avez déjà doublé, prenez, partez avec. Aujourd'hui tu nous as gagné, demain ce sera notre tour. C'est quoi, mais ça non dedans, mais ça c'est moi seul qui vais le porter. Mon garçon, je veux pas le porter tout seul. Viens, mon garçon, viens. C'est quoi ton nom? Ok. Ok, hein, vous avez pirote? Oui. Achète glacé ou non glacé? Glacé. Glacé, non, on a la fièvre. Tu ne vois pas comment on touche le glacé? Pas le glacé. Hé, hey, petit, même le froid est en train de rentrer dans mon corps. C'est à cause de la fièvre, ça. Achète-nous ce qui est non glacé, d'accord? Deux. Fais vite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas la casserole que j'ai mise ici. Quelle casserole? La grande casserole qui était ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Je ne sais pas. Où sont les hommes qui sont venus acheter maintenant? Je ne sais pas. Où sont-ils? Mon gars, c'est comment? Ça va bien. Viens voir. Mettez-les par là, mettez-les oui, par là. Ça, je ne veux pas votre ça. Attendez. C'est 90. Ajoute ceux-là. Ceux-là, c'est 60 naira. Ça, c'est 50 naira. 60 naira. C'est 50 naira ou rien. C'est ça ou rien, oh. Je vais te taper, oh. Joli garçon. Si vous ne voulez pas, c'est 100 naira. C'est 100 naira. C'est 60 naira que je te dois, hein. C'est 60 naira que je te dois. C'est 100 naira, oh. Tu es malade? C'est 100 naira. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu veux voir? Je veux voir. Ça fait 90. 90. Tu te fâches trop. C'est 100 naira. Tiens. C'est ça. Regarde cela. 100 naira. C'est faux. 20 naira. Là, le visage comme quelqu'un qui est malade, là. Laisse ça, je ne veux pas. Non, chichi est trop. On nous supplie dehors pour acheter cette chose. Et tu es là encore comme un maladif là. Laisse ça. Pourquoi tu tiens encore la tête avec moi comme ça? C'est 60 naira. C'est 60 naira. Tu vas l'acheter ça ailleurs. C'est un mauvais marché. Prends ton argent. Hey, je pensais que tu allais oublier, tiens. Mauvais garçon. Pardon, mon frère, allons-y, il y a des gens qui nous attendent encore. Vous voulez m'escroquer ou bien? Hé, hey, viens, allons-y.
C'est ce qu'avant. C'est ce garçon à qui on a volé la casserole l'autre jour là. Allons-y. Hey. Maman, 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 maman. Maman, j'ai vu les hommes qui ont volé notre casserole. Où sont-ils? Où sont-ils, non? Où sont-ils? Hein? Policier, pardon. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont venus voler ma casserole l'autre jour et mon fils vient de me dire qu'il les a vus. Regardez, ils sont là-bas. Est-ce que tu oui, non. Il faut venir m'aider, non, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je veux acheter du yaourt. Celui-ci? Je veux pour 300 naira. 300 naira. D'accord, attends. Hein? Je veux acheter 300 naira de yaourt. Excuse-moi. Otodo, quoi? Tu vois ce que je vois? Une grosse vache qui boit de la glace. Le Kosona, hein? Une grosse vache. Elle dépasse ceux du festival. Je te le dis. Le cadeau. Elle achète des glaces qui remplissent le sachet. Hein? Et tu vois cette fille qui est grosse comme ça? Uh-huh. Son père, bon, point tiré. L'homme n'est pas lancé qu'une règle. Comme les petits nez. C'est ça. Tu sais? Ah, hein? Mon Dieu. Est-ce que cette fille peut se marier? Tu veux l'épouser? Hein? Hein? C'est seulement Yao que cette fille prend au... Regarde, elle est comme un sac de piawata. Hey! Ouh, Apo, si tu pousses celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Cela me dit que tu vas chercher des pousses-pousses pour la raconter à la maternité. De toutes les sages-femmes qui existent, tu le connais. Aucune ne pourra enlever son enfant de son ventre. Tu vas acheter mes chers. Écoute, si je pousse celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire si quelqu'un l'épouse, qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt un cadeau trappé. En plus, si tu m'entuelles, tu vas entrer dans le coma. Tu vas dormir, dormir. Ah, c'est que, quand on regarde, on imagine. Allons faire nos affaires. Oh. Tu le connais pas, c'est con. Quelle est cette personne qui conduit comme s'il a volé de l'argent? Ah, toi, tu ne le connais pas? C'est qui? Cette fille qu'on a vue en tant qu'état. C'est son père. Cette fille qui a payé beaucoup de glace dans l'autre ruelle quand on venait avant-hier. Le petit homme? Eh non! Le petit homme dont on parle qu'il a utilisé le sang humain pour avoir de l'argent? Eh oui! Tu sais ce qu'ils disent? Les gens qui utilisent le sang humain trouvent plus d'argent que ceux qui font des trafics humains. Mais c'est comme ça! Ne dis plus des choses attends, comme ça! Laisse-moi te dire quelque chose.
comment peut-on connaître quelqu'un comme ça? Parce que si tu t'approches de lui, tu vas gagner de l'argent nianfou nianfou. Mon gars, moi je ne peux pas. Est-ce que c'est sa fille qui est grosse comme ça? C'est comme ça, non? C'est ce que je disais. Je viens de me rappeler de quelque chose. Je la vois chez maman Gossi, la place là. La place où elle vient acheter de la glace tous les soirs. Elle sort de son portail. Pas de sécurité. Elle sort. Indique-moi sa maison. Chez maman Gossi, là on vend de la glace. Gossi. À cet endroit, non? Cet endroit. Pourquoi tu parles comme ça? On y va, non? On s'en va. Hein? D'accord. Tu veux miser 20 naira? 20 naira? Si tu choisis ceci, tu gagnes. Ne choisis pas ceci, ni ceci. Les deux, non? Ne choisis pas ce rouge et ce rouge. Choisis ce noir. Je suis d'accord. Hein? Regarde bien. Joue. Oh. C'est pas grave, tu vas gagner. Tu as perdu. Je mise encore ça. Donc tu veux jouer encore? Ouais, je veux jouer encore. Hein? D'accord. Choisis ce noir et tu gagnes. Hein? Ne choisis pas ce rouge. Hey, Ne choisis pas ce rouge aussi. C'est fini. Oui. Choisis le noir. Pardon, trouve-moi la monnaie de 100 naira. La monnaie? Pardon. Viens, viens, quitte la voie. Hein? Ne prends pas le rouge. Ne prends pas le rouge. Tu as la monnaie? Oui. Ah, mon argent. Tu gagnes. Oh, les 100 naira que je voulais te remettre. Hein, regarde bien, tu veux jouer c'est encore? C'est comme ça notre affaire marche. Hein? Si tu remets un petit argent, tu gagnes beaucoup d'argent. Ça, c'est escroquerie, non? Escroquerie? Quel genre d'escroquerie? Escroquerie, c'est ce que l'État attrape. Ça, c'est à l'autorité qu'on l'appelle. Tu mises un peu d'argent et tu gagnes beaucoup d'argent. Viens. Je veux... Combien? J'ai gagné. Donne. Ah, tu veux que mon argent termine? Tu vois, hein, c'est ça. Je veux jouer, je veux miser cet argent. Tu veux jouer? Tu veux jouer combien? Combien tu mises? Pardon, je vais miser 20 naira. Seulement 20 naira. C'est seulement 20 naira, tu veux mettre. D'accord, laisse-le. D'accord, pas de problème. Regarde. Ça, c'est une carte de chance. Choisis cette carte. Ne choisis pas celle-ci. Ne choisis pas aussi celle-ci. Choisis pas ce rouge, ne choisis pas aussi ce rouge. Joue le rouge et tu échoues. Regarde. Joue le noir si tu veux gagner. Regarde bien maintenant. Regarde attentivement, d'accord? Regarde bien. Tu fais attention et tu gagnes. Joue. Il a gagné. Il a gagné. Voici ton argent. Ouais, il a gagné. Regardez celui qui vient d'arriver. Faut miser plus, d'accord? Si tu vas gagner. Vraiment. et si je mise 40 naira? Tu gagnes 80 naira, non? 80 naira, non, c'est le double. Regarde bien encore. Oui. Choisis celle-ci et tu gagnes. Oui. Choisis ce noir. Ne choisis pas ça. Ne choisis pas ça. Ne choisis pas ça. Joue le rouge. C'est le danger, tu paies. Oui. Joue le noir et tu gagnes. Hein? C'est moi qui joue, hein? C'est moi qui ai misé. C'est à toi de jouer. C'est toi qui joue, c'est toi. Regarde juste bien. Joue. Concentre-toi. Il a encore gagné. Tu es un chanceux. Oui, cet homme a tellement de chance. Tiens. Tu es chanceux, hein? En fait, je veux jouer. Est-ce que vous pouvez me payer si je joue 100 naira? Tu gagnes 1000 naira. Maintenant. Si tu mises 5 naira, tu auras 1000 naira. Est-ce que vous pouvez me payer tout de suite? Maintenant, l'argent est là. Laisse jouer. Attends. Je vais prendre cet argent de bon, Yahoo. C'est chanceux. C'est 100 naira. Voilà, oui. D'accord. Tu as complété. C'est regarde juste. Choisis le noir, tu gagnes. Choisis le noir.
Ne choisis pas le rouge. Ne choisis pas le rouge. Choisis ce rouge tu paies. Choisis ce rouge tu paies. Danger, le c'est rouge. Mon argent. Oui, touche c'est pas. Mon argent. Oui, c'est ton argent. Ne touche pas. Ne touche pas le rouge. Gagne le noir. Regarde bien. Oui, oui. Bien, oui, il connaît hein, ça. Jo. Oh, tu as perdu tes 500. T'as tout regardé ailleurs. Regarde ici. Hé, hey, regarde là. Pourquoi tu c'est le rouge. C'est le rouge. Hé, hey, regarde ici. Tu n'as pas bien joué. Perdu. Regarde. Quand tu veux jouer, regarde bien. Faut miser encore. Peut-être tu pourras gagner. Hein? Maintenant, tu regardes attentivement et tu gagneras. Tu gagneras tout ce que tu as misé. Hein? Ouvre plus, bien tes yeux. Regarde bien. Hein? Joue. Ouvre bien les yeux. Joue. Hein? Est-ce si tu vas bien ouvrir si les yeux, tu vas gagner. Si je mets... mise 1000 naira. Tu vas gagner 2000 naira. C'est au complet. Si tu joues le noir, ça veut dire que tu as gagné. Si tu joues le noir, tu as gagné. Joue le noir, tu gagnes. Ne joue pas ça. Ne joue pas ça. Viens, ne t'approche pas du rouge. Fais-le, je te dis. Oh. D'accord. Tu as vu ces deux rouges. Ne les choisis pas. Si tu choisis les deux rouges, tu as perdu. Choisis le noir et tu gagnes de l'argent. Joue. Tu es pressé. Non. Tu n'as pas assez d'aide. Non. Mais regarde. Vous m'avez troublé les yeux. Prends ton temps. Non. Donnez-moi mon argent tout de suite. Il faut me récompenser. Je ne veux rien attendre. Vous m'avez troublé les yeux. Laisse-moi te montrer. Il faut me donner mon argent. Je dis, il faut me donner mon argent. Quel argent? Non, si tu ne me donnes pas mon argent. Quel argent? Non! Attends, viens que je te montre. C'est pas moi qui t'ai appelé. Si tu ne me donnes pas. Attends, je vais t'apprendre. Attends. Il faut me donner mon argent. Attends. Attends, viens que je te montre. Mais vous étiez là, vous avez vu. J'ai bien vu comment attends, vous avez attends, je vais te montrer. Hein? Non, attends. Non, on t'a forcé de jouer. Laisse-le. Tu veux jouer encore? Non, jamais. Tu ne gagnes pas avant. Tu m'as pas dit d'attendre. Comment tu vas me dire tu veux jouer encore? Attends, non. Viens, attends, viens. Tu veux jouer encore? Regarde-moi ici. Donne-moi mon argent. Attends, non, c'est pas ton argent. Oui, donne-moi mon argent. Alors, c'est maintenant que tu vas parler, non? Donne-moi mon argent. Le premier, tu as gagné. Le deuxième, tu as gagné. Mais après, c'est toi-même qui as mal fait. Tu as bien joué ça clairement. Tu as bien joué ça clairement. Hein? Je t'ai dit que tu as bien joué ça clairement. D'accord, attends. Donne-moi mon argent, je te dis, donne-moi mon argent. D'accord, viens. Touche-moi. Hein? C'est pas de ta faute. Viens ici. Je suis malade. Je t'ai forcé de jouer. C'est pas toi-même qui as misé ton argent. Je ne veux plus jouer. Quand t'avais dit de jouer, tu n'as pas gagné. J'ai dit, je ne veux plus jouer. Tu ne veux pas jouer. Touche-moi. Touche-moi, non. Follet. Viens. Viens. C'est quoi? Attends. Où est mon yaourt? Est-ce que ils vont des crèmes glacées? Oui, mon vélo. Il ne faut pas passer, non? Qu'est-ce qu'il y a? Quitte mon chemin. Oh mon de Dieu! Hein? Oh mon Dieu, merci. Viens. Madame est là. Madame toi. Que se passe-t-il? D'où viens-tu? Je dis, que se passe-t-il? Où sont les crèmes glacées? Où est la bicyclette? Moi-même, je ne sais pas. Ils ont pris mon vélo sur la route. Ce sont des bandits. Des coupeurs de route? Je ne les connais même pas. Tu peux les reconnaître? Ces gens t'ont tout pris?
Ils ont pris aussi le vélo et les crèmes glacées. D'accord, attends, il faut que j'appelle madame. Madame. Non, attends. Madame. Mon frère, attends. Que s'est-il passé? Raconte-moi, mon ami. Oui. C'est les gens qui font la loterie. Le quoi? Le trio. Quel genre de loterie est-ce? J'avais fini de vendre. J'étais en train de partir seulement. C'est la monnaie qui m'a créé des problèmes alors. Ils m'ont demandé de venir faire la monnaie. Je suis venu, j'ai cherché la monnaie pour leur donner. Et ils m'ont dit que l'argent qu'ils veulent me donner pour faire la monnaie qu'ils ont mangé. Et il m'a dit de suivre comment ils font et tenter ma chance. Maintenant, quand j'ai regardé partout, les gens gagnaient partout et j'ai dit, c'était facile. Maintenant, je suis venu, j'ai mis l'argent, j'ai gagné. Je fais encore, j'ai gagné. Je fais encore, j'ai gagné. Maintenant, je fais encore. Ils ont mangé, j'ai fait encore. Ils ont mangé encore. Et ensuite et ils ont mangé. Et puis maintenant, je me suis battu. Je me suis battu vrai, ouais. Ils ont déchiré ma chemise. L'ont-ils reconnu? Ils n'ont pas déchiré, mais on s'est battu vrai. Alors, quand je partais, ils sont venus. Je n'ai plus vu personne encore. Alors, mon vélo n'était plus là. Ça avait disparu. Je n'ai plus vu mon vélo encore. Et les petits... Je n'ai plus vu personne. Hein? Attends. C'est à moi que tu racontes ces histoires ou bien c'est à madame? Mon frère, pardon. Alors, Seigneur Jésus, c'est le problème dans lequel je suis venu me mettre. Si j'avais su, je t'aurais laissé dans ce village, dans ce pétrin. Maintenant, pourquoi tu es revenu? Tu aurais pu la suivre pour partir. Tu n'es pas venu avec ton vélo, tu n'es pas venu avec les crèmes et tu reviens à la maison. Mon frère, pardon. Attends, écoute. Prends juste cette route, va sur les lieux et rapporte-moi ce vélo et les crèmes. Hey. Tu veux me détruire, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas dit que... Écoute, fort. J'ai dit que... Coucou. Pardon. Attends. Yeah. Attends. Va. Attends, s'il te plaît. J'aurais dû laisser ce garçon au village. Hein? Si je te revois ici, tu vas voir de quel bois je me chauffe. N'importe quoi. Ah! Azingé. Patron. Donne-moi le reste de l'argent. L'argent n'est pas suffisant. Quel argent encore? Donne-moi le reste de l'argent. De quel Cette somme n'est pas au complet. Je pensais vous avoir passé de l'argent quand le problème est survenu. Tu vois, Azingé. Patron. D'accord. Laisse-moi te fouiller. Qu'est-ce que c'est, Azingé? Ce n'est pas. Azingé, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma grand-maman. Qui m'a dit de lui garder ça? Depuis quand ta grand-mère est entrée dans notre business? Ta grand-maman. Mais j'avais ça le jour où nous travaillons. Ta grand-maman te donne de l'argent pour que tu l'envoies à l'endroit où nous faisons les affaires. Tu vois, Azingé, si tu ne te méfies pas, je vais te licencier. Idiot. 1, 2, 3, 4. Prends ta part. Et à quoi ce petit sou va me servir? Qu'est-ce que tu veux faire croire que c'est petit? N'est-ce pas moi quand les gens viennent qui collecte les sous quand ça vient? Qui t'a enseigné à collecter de l'argent chez les gens quand ils viennent? N'est-ce pas moi qui te l'ai appris? Méfie-toi. Si tu te méfies pas, je vais te licencier. 1, 2, 3, 4. Maintenant toi, prends ta part. Patron, c'est un peu trop petit. Qu'est-ce que tu veux dire? Cet argent est trop peu. Qu'est-ce que tu mets dans Patron, petit? Patron, c'est moi qui ai apporté ce vélo ici, non? Tu as si apporté. Je ne l'avais pas pris, vous ne pouvez pas le prendre. Tu l'as apporté. Qui t'a appris à apporter les vélos en douce? N'est-ce pas moi? Si je m'étais fait attraper ce vélo, ne serait pas ici. Même ce vélo, si tu ne sais pas faire, peut nous apporter les problèmes demain. Et tu viendras me dire que c'est toi qui l'as apporté. Prends, je m'en vais. Si tu ne prends pas, je m'en vais. Méfiez-vous, hein. Vous deux, hein. Méfiez-vous maintenant. Maintenant, vous pouvez partir. J'ai dit, vous pouvez partir. Tu n'entends pas ce que je dis? Quitte mon chemin. Si je reviens vous voir ici, je vais vous gérer tous les deux. Vous n'êtes pas les seuls. Idiot.
Non, non, nous travaillons et lui. Est-ce bouffe. Que tu vois le genre de personne qui. Allons-y, est... c'est son tour aujourd'hui. Nous aussi, on aura de l'argent. Bon. Vous êtes venu avec les documents? Oui, parce que vous m'avez dit de venir avec les documents. D'accord. Monsieur. Donne-moi ça, mon ami. D'accord. Vous pouvez voir le tampon. Oui. D'accord. D'accord. Dites à combien cela revient. Présentement, c'est 300 000 nerfs, monsieur. Comment 300 000? Juste 300 000. Jeune Jean, allons-y doucement. Allons-y doucement, je vous donnerai 100 000. Alors après une semaine, je viendrai moi-même visiter le lieu. Et après ça, je vous donnerai les 200 000 restants. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, mais vous savez, vous voyez, nous sommes des gens corrects, monsieur. Vous ne pouvez pas donner en une fois, quoi. Mais si vous donnez d'abord 150 000, et après que tout soit vérifié, vous versez l'autre moitié. Vous versez l'autre moitié. Doucement, jeune Jean, doucement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous donnerai 100 000 maintenant. Je ne sais c'est pas bon, ce que bon, vous en pensez. C'est bon. Mais à qui appartient cet immeuble? Nous l'avons hérité de notre père défunt. Oui. C'est moi son premier fils et le plus jeune, c'est moi. Quoi. Oui, ça, mais parmi nous, là, il y a 8 filles. Oui, certaines sont mariées à des Américains. D'autres sont jamaïcaines, d'autres sont russes, d'autres sont tibétaines. Certaines sont jamaïcaines, voilà. D'accord. Oui, oui. C'est comme ça, on est nombreux. D'accord. Pas de problème. Voici l'argent. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, là, vous versez l'autre moitié, quoi. Oui, okay, oui. Dans ce cas, nous vous disons d'accord, au revoir. Ok. Excusez-moi, monsieur. Voulez-vous garder le document? Oui, je garderai les documents. Pour que nous puissions... C'est très bien. Je garderai les documents. D'accord, monsieur. Hein? Au revoir, monsieur. D'accord. Au revoir, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. D'accord. Au revoir, monsieur. Dieu te bénisse, monsieur. D'accord. Mais cablo. Mais cablo, je ne veux pas ça. Je ne veux pas fumer. Je ne veux pas fumer aujourd'hui. Mais cablo, ce que je veux, c'est du vin. Donc aujourd'hui, tu ne fumes pas. Je ne veux pas fumer. Donc on évolue maintenant à un niveau différent, quoi. Un niveau différent. Ce n'est pas ce que tu es en train de penser, oh. Tchè. Mais cablo. Alors... Tu as vu ce nouveau formulaire? Ce nouveau formulaire maintenant. Tchè. Mais cablo. Tu l'as vu, non? Je ne l'avais jamais vu jusqu'aujourd'hui. Très facile, non? Très facile. C'était toi aussi. Je ne savais pas que la vie était comme ça. Oh. Il restait un peu, j'allais partir au village. Depuis quand je te disais de rentrer à la maison, là, tu voulais pas rentrer? Si tu veux maintenant, va rentrer à pied. Tchè, Bécablo. C'est vous. Bécablo. Pas d'argent, l'argent maintenant. Quel argent? Tu vois ça? Ils savent que ça va pas chez toi. L'argent. Tu sais pas que c'est moi qui dois te donner l'argent. Tu le sais pas. Si tu le mérites, je te donnerai quelques miettes. Tu m'as entendu? Surtout avec ce qui vient de se passer là. Si je veux, je peux te le donner demain haut. Pour tout te dire. Mais puisque tu insistes bien... L'argent. L'argent parle, les gens regardent. L'argent parle et les gens regardent. Oui. L'argent parle et les gens regardent. Cet homme fou là, il n'aura pas son argent. Pardon, c'est toi qui parle. Pardon, c'est toi qui parle. Mon gars. Comme je le disais. Mais cablo, donne-moi ma part pour que je rentre. Bien, je vais te donner 20 000 en topoto dans cette affaire. Mais cablo. Bonne affaire, hein. C'est de 20 000 dont toi et moi parlons. Tu es malade? Non, mais cablo. Hein? Je suis plus âgé que toi, non? C'est toi qui as eu l'idée de ce plan. Parce que je n'aime pas ça, hein. En plus, c'est 15 000 que je vais te donner pour mais tout cablo. Ça. Maintenant, je te propose 20 000 et tu es en train de parler en désordre comme ça. Mais cablo, ne me réveille pas, oh. Ne me réveille pas, oh. Moi, c'est de moi que tu parles. C'est pas 50-50. Non. Je dis, je te donne 50 et je prends 50. Et le reste, on va donner ça au vaudou. Mais cablo, on n'a qu'à partager l'argent. 20. Je prends mon propre argent pour faire mon propre gris-gris. Et tu prendras ton propre argent pour faire ton propre gris-gris, oh.
Tu te fous de moi. Tu prendras ton propre argent pour faire ton propre gré. Tu te fous de moi. En plus, moi, je veux commencer à prier et à faire le carême pour accompagner pour moi. L'argent parle. Évangéliste. Et les gens crient. C'est ça. L'argent parle et les gens crient. Oh. L'argent parle et les gens crient. Mon ami, la souffrance est vidéo. L'argent parle et les gens sont en train de crier. Les gens crient. L'argent parle et les gens crient. Mais câble, pardon, il faut me donner mon argent pour que je parte. Mon ami, écoute, tu connais la jungle. Tous les animaux sont égaux. Mais d'autres ont plus de valeur que d'autres, c'est comme ça. Cet argent. Quel quand argent? Qu'est-ce que tu veux juste me donner mes 50 000? Que Dieu te punisse. À qui est-ce que tu parles? Mais cabro, je demande, qu'est-ce que tu vas me donner? Les 50 000? Tu plaisantes. Et les grégris dans la chambre. Quel grégris? Tu prends ta part pour faire ton propre grégris. Je m'en fous, je ne vais rien te donner. Je ne vais rien. Je vais te chiffler où? Mais cabro. Écoute, si je t'en colle une, tu vas disparaître. Attends, tu refuses vraiment de partager l'argent avec moi maintenant, c'est ça? Je vais te gifler. Quand on allait faire le travail, est-ce que tu m'as giflé là-bas? Je vais te cogner avec la tête. Je vais te casser la tête. Mais Cablo. Quoi encore? Pourquoi est-ce que... Il n'y a personne, on dirait. Tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes comme ça depuis on peut rien entendre? Tu fais le ror comme ça. Tu ne vois pas qu'il n'y a que de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Mais c'est de l'eau amère. Amère. Ouais! Mais Gablo! Hein? Je voudrais quelque chose mâché. Tu veux de la viande? Oui! Pas de problème! Madame! 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 La dame là aussi est malade. Hein? Attends, je vais la chercher. Faut parler là-bas, oh! Ouais, madame! Et depuis là, il t'appelle. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Je ne vais pas l'attendre. On l'appelle depuis là, elle ne veut pas venir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu as Kokoriuku? C'est quoi encore Kokoruku? Kokoruku! Est-ce que tu as ça? Combien de plats? Poulet, poulet. Combien de plats tu vous voulez? Tu comprends poulet? J'en ai. Combien de plats vous voulez? Apporte un, deux. Je reviens. Deux. La vie est... tellement belle. Madame. C'est fini maintenant, je peux partir. Ne t'inquiète pas. Oubitou. Oubitou. Vie boutou. On est où tout au soleil là? Et que coup c'est pas petit haut. Ça c'est ce que nous appelons Samakura des montagnes. Allô, monsieur, c'est quoi non? Essayez d'aller doucement, doucement, hein. Personne ne veut manger avec vous non? C'est quoi votre problème? Hein? Vous dites c'est quoi votre problème ici? C'est quoi qu'est-ce votre que tu problème? Racontes comme ça, sale chou? C'est quoi tu votre vois? Problème? Tu n'as même pas de cheveux derrière la tête et vous allez tu la es venu. Maintenant? Tout mettre devant ici. Vous allez me laisser manger, d'accord? On vous le comprenez? Verra. On le verra. Tu es un homme de caverne. Tu n'as même pas de cheveux sur la tête, tu parles blablabla comme ça. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas de cheveux derrière, tu peignes tout devant. Ça suffit. Tu manges comme si on veut aller te vendre. Hey! Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas le seul ici. À qui est-ce que tu viens de faire ça? Attends, mon ami, dis-le qu'on ne blague pas avec moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi? C'est quoi le problème? Hein? Écoute, mon ami, écoute-moi bien. Personne ne viendra à ton secours ici, hein. Donc, donne-moi la casquette, hein. Sois gentil, hein. Donne la casquette. Je ne donnerai pas la casquette. Donne la casquette. Donne la casquette. Monsieur, méfiez-vous. Voici ta casquette. Mais cabron, laisse-moi nous crever la jambe comme une merde. On va plus faire de bruit, hein, mon ami. Tu vois pas qu'il y a des gens comme toi ici? Hein, relax, hein. Hé, madame! Madame! Je viens déjà. Des bouteilles de flag. Oh, c'est vie. D'accord, vie bouse. Combien ça nous fait? 800 francs. Ajoute pour ce monsieur. Ne peux pas pour lui, je le connais depuis longtemps. Tais-toi. C'est vrai qu'on se connaît, non? Tout fait 1200. De Stockport? Oui. Tout fait 1200. Un, deux. D'accord, apporte la monnaie. Ah, la monnaie. Hein?
Quel est l'argent? Madame, on dit d'aller chercher la monnaie pour tu veux un chèque. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, je sais, non. Pardon. Ça là, c'est trop déjà. En plus, prends celui-ci. Attends, prends ça. Tu as dit que tout fait 1200, non? Uh-huh. Alors, nous n'avons pas fini de deux là. Alors, divise en deux, ça fait 600. Alors, qui va acheter ça maintenant? Attends, attends, on comment t'a forcé. On peut savoir? On t'a demandé deux plats, tu as apporté qu'est-ce tout ça. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas parler. Et... Tu vois? On dirait que tu te rappelles de quelque chose. Oui, oh. Et qu'est-ce que c'est? Yen. Hélélé. J'ai découvert une toute nouvelle stratégie. Que tu te punisses. Ta bouche là, c'est toujours tout, 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 c'est toi qui as découvert ou c'est nous deux qui avons découvert? Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Tu vois, quoi? Si tu n'avais pas trouvé l'autre endroit, quoi? N'est-ce pas moi qui t'ai indiqué l'endroit pour qu'on y aille? Fille, pute. Eh, d'accord, ils ont écrit fille, pute quelque part dehors, mais n'empêche que... On a bien ri, hein? On ira encore là-bas. Retournez où? J'ai dit que nous irons là-bas, encore. Quand ça? Aujourd'hui. Prends Rachid. Prends Rachid. Prends ces biscuits maintenant. J'ai pris ces biscuits. Au cas où on a marché fatigué là. On va penser à y manger. Mais maintenant tu as dit que tu veux pas Rachid. Pense à y manger seul. Pense à... Maintenant tu vas me donner de la même chose tous les jours. Tu as la chance de trouver biscuit à manger. Hmm? Comme ça tu me donneras du biscuit toute ma vie. Non mais c'est pas Dieu que tu as trouvé biscuit à manger. Tu sais comment j'ai trouvé ça? Tu crois que j'ai acheté ça? Tu sais comment j'ai pris ça? Tu le sais bien non? Je savais bien que ça allait finir comme ça. C'est pas pour te dire que je ne t'ai pas prévenu. Ce qui va se produire maintenant sera... Ha. Ha. Sinon... Sinon... Hmm. Tu te plains. Tu te plains. En plus, c'est la faim qui te fait comme ça jusqu'à... tu n'as même plus l'appétit. Quoi encore? Quoi encore? Tanti disait que pour s'en sortir, il faut tout faire. Comme ceux qui viennent du village. Mmh. Tanti disait qu'il fallait tout faire à tout prix. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Hein, comme ça. Tu vois, l'heure de Dieu est la meilleure. Hein? L'heure de Dieu est la meilleure. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Retournons au village. Quand l'heure sonnera, on reviendra ici. Tu dis? Je dis retournons au village. Quand notre heure sonnera, on reviendra. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Attends. We'll be right back.
Ah. Volu, si d'un mot, dim pio gare, ane pio gare, e peri ma wan, dim pio gare, pium pium, fane pio gare, pium pium, dim pio gare, pium pium, fane pio gare, pium pium, onyo hi okoko, pium pium, fane pio gare, pium pium, ndia kana, pium pium. Iseba ipioba, iseba ipiopo, ipota shawo mane mkukwa yuboya, ndi mpiogari, fane piogari, ipiri mawa, fane piogari, ikikotebu mane moga bapa ya ba, isikotebu mane moga panu ya ba, onye mpiogari, ina chongene, ebahine te mane moza de lokwa ya. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Prends. Tu vas au village, non? On va se retrouver là-bas. Prends. Mais on va au village. Même si je dois aller au village, c'est 20 naira qui vont m'amener jusqu'au tu village. Tu sais pas comment ça se passe? Tu paies 10 naira d'abord, prends une moto, tu roules, 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 roules. Arrivé à la gare, tu reprends une autre moto, tu roules. Avant 2 semaines, tu seras au village. Prends. Écoute, mes cablos, tu ne comprends pas. Tais-toi, qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est pas toi qui me fais penser comme ça, avoir une meilleure vie. Va chercher quelque chose à faire et laisse-moi vivre ma vie. Au lieu de faire. Moi, je suis fatigué, hein, je te dis ça en même temps. Regarde ton pantalon, regarde ta ceinture. Tout le monde utilise de belles ceintures, mais toi, c'est le contraire. Écoute, mes cablos, dis-moi ce que je peux faire pour devenir riche. Faut comme là, hein. Tu ne fais que parler. Ça ne tourne pas chez toi. Mes cablos, des fois, je me dis que c'est toi qui me bloques la voie. Comment? Parce que chaque fois que je trouve une bonne idée, tu ne fais que m'en dissuader. Ça veut dire que tes idées ne sont pas assez bonnes. Tu m'as entendu? Mes cablos, laisse-moi te dire quelque chose de vrai. Ah. Si on essaye d'arrêter toutes ces choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes, de trouver un bon boulot. On va le faire. On va simplement prier Dieu. Même si c'est pour laver les plats, on le fera. Continuons. Ah. Mais souviens-toi d'une chose. Quelle chose? Mais cabro. Moi, que tu vois ici, je n'ai assez. Tu en as assez? Oui. Il faut en avoir plus assez. Tu demeures comme ça depuis tout ce temps. Je voudrais aussi devenir un jour un patron. Mais tu as dit patron, hein? Et comment tu veux devenir patron? Tu es d'abord employé. Je dis que c'est ce que je veux. Quoi encore? Mais cablo. Hey! Devenir boxeur en 2 semaines. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, qu'est-ce que j'ai? On est des bosseurs, non? Toi, tu veux faire la bosse? Hey! Attends un peu, tu t'imagines sur le ring à faire ceci, hein? Hey! Quoi? Hey!
Doucement, doucement, doucement. Il faut que je termine le combat. Attends. Tu n'as même pas encore commencé, tu veux y gagner. Mégablo, arrête ça, arrête ça. Ça peut nous amener loin. Si on s'y met maintenant, on deviendra des boxeurs. Ouais. Sinon, attends un peu. Hey. Façon dont on a parlé là, je ne pense pas que ce soit bien. C'est comme on a dit tout à l'heure là que on a dit que moi je serai boxeur, toi tu seras coach. Je crois pas que ça va marcher. Il faut que moi je sois le coach et toi le boxeur. Pourquoi ça? Parce que tu es cool, non? Alors moi je serai le coach quoi, parce que tu vois ma taille, non? Tu vois? Alors je pourrais pas bien feinter quoi. Tu comprends? Feinter comme ça et cogner. Moi le coach. Oui. Et toi quoi? Le d'accord, boxeur. Allons-y. D'accord. C'est quoi ça? On n'est pas arrivé, tu fais. J'ai hâte de mettre mon poing dans le dos de quelqu'un. Et battre quelqu'un à mort. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Monsieur, on est venu pour s'enregistrer seulement, quoi. Voici mon boxeur. Oui. Il fait la bosse depuis 40 ans maintenant, si vous voyez. Oui. Oui. 40, oui, 40 ans. C'est vrai ce que vous dites, 40 ans? Et il n'est pas encore à la retraite? Non, c'est pas encore le moment de la retraite. Ça fait seulement 40 ans, oui, 40 ans. Normalement, il reste encore 5 ans, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, 5 ans. Cet homme, Vitesse Lumière, c'est son nom, Vitesse Lumière. Vitesse Lumière? C'est uniquement le jour où il a voulu participer à la Coupe du Monde qu'il a mal frappé quelqu'un là. Et le gars, il est tombé quoi. Vous savez quand vous faites bah, le gars doit aller comme ça. Mais il a fait bah et le mec est revenu comme ça quoi. Point rebond. Alors pardon, quand je vais le mettre au point haut, je ne vois pas celui là qui pourra lui faire face. Il est très dangereux ce gars là. Cet homme, cet homme. Il est terrible. Hey, non. C'est bon, au lieu d'aller bon, comme ça, bon. Faut allons-y, aller comme allons-y, ceci. Allons-y, hein? Faut dans aller comme ça. Discuter. D'accord, comme ça. Allons-y, allons-y. D'accord, d'accord. D'accord. 40 ans. Oui. Jeune homme, vous êtes venu pour le contrat? Oui, je l'ai lu bien. Et vous êtes d'accord avec tout ça? Nous avons tout déjà, hein? En plus, faisons vite maintenant, hein? Nous n'attendons plus que les combats, quoi, hein? C'est tout, oui, nous avons tout vu déjà. Patron. Oui. Vous êtes sûr que vous pouvez vaincre le champion? Il vient de Cuba. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il dit là? Le boss vient d'où? De Cuba. Faites-le venir. Qu'il vienne par train. Ou voiture? En avion. Oh, avion. Oh, tu as sauvé quelqu'un. Et si c'était pas un autre moyen, mon boss et moi, nous allons nous occuper de lui personnellement. Et nous allons finir avec lui et revenir ici. Oui. Et mes chefs, n'oubliez pas un point sur lequel on ne s'est pas encore prononcé. Hein. Parce que si le monsieur vient, nous en finissons avec lui, c'est vous-même qui allez déçu. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez un pas. Coup KO. Un coup KO. Vous en êtes sûr? Un coup KO. Voilà qui est fait, patron. Alors, dites-nous, nous allons percevoir notre argent aujourd'hui, non? Oh, ne vous inquiétez pas. Ma secrétaire est en train de vous préparer le chèque. Ah, celle qui est là. Donc, ça veut dire qu'avant de partir, on va percevoir. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Attends. Hey, avocat, te fâche pas. Hein. Tu vas gagner notre contrat. Pas pour nous, hein, mais pour Cuba. Si tu le détruis devant le public nigérien ici, oh, tu n'iras pas en finale à Cuba. Oh. Quelqu'un va prendre le son. De tout, il ne tiendra pas. N'importe quoi, tu vois. Si tu ne te concentres pas, tu vas perdre. Si je t'en colle une. Et ça, tu verras. L'argent rend les gens mauvais. Oh. Si on avait de l'argent, mon ami, je dormirais. Tu vois, j'aurai l'argent. Je deviendrai millionnaire. Je ne connaîtrai plus personne. Regardez-moi il ça. Il me voit. Mécablo. Attends. Oh, on va t'avoir une tapée. Mécablo. Attends. Oh, yeah. On
On aura de l'argent. Attends il encore. Le faut. Attends encore, non. Comment ça? Un peu. Nous avons tué quelqu'un. Tu me le demandes. Ah, je commence à me demander. Ils arrivent, ils arrivent. Hein? Le bâton arrive. Combat, combat, combat. Combat. Allez, champion. Oui, c'est ça. C'est ça. Bats-toi. Bats-toi. Bats-toi, garçon. Bats. Vite, 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 vite. Vite, champion, vite. 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 Encore, 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 encore. Frappe, frappe, frappe. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Alors, si tu cognes comme ça, tu vois? Si tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes, tu cognes. Alors, tu tournes autour, tu donnes un coup. Tu viens, tes yeux doivent être. Viens ici. Tes yeux doivent être sur l'ennemi. Très bien. Alors, très tu donnes, bien. Tu donnes. Quand ça très vient, bien. Tu fais juste comme ça. Très bien. Hein? Il peut pas te taper là. Très bien. Très bien. Tu fais encore. Quand ça vient encore, tu viens comme cela. Il peut pas te taper là. C'est bon? Allez, oui. C'est. Oui. Oui, coach. Voilà, c'est comme ça. Mais attends. Viens ici. Maintenant, danse. Tu ne combats pas. Tu danses seulement. Tu trouves le rythme et tu recommences. Et tu y vas. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, tu enchaînes. Tu enchaînes. Allez. Halte, halte, halte. Viens ici. Très bien. Allez, monte-moi. Allez. On y va? Très bien. Oui. Très bien. C'est ça. C'est ça. Désolé, 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 désolé. Je ne savais pas. Je sais que je suis en train de me préparer pour le combat. Cet homme est fort. Oui. Patron. Oui. Ce gars est un lion. Je le vois. Merveilleux. Assez, assez. Hein? Patron. Qu'est-ce que c'est? Noix de coco. Ce gars à Cuba, il a fini avec son adversaire seulement. Oui, oui, oui. Un coup. Et le sang a giclé. Combien? 29 plus 9. Et l'homme que j'ai battu pissait du sang, du cœur. D'accord, maintenant, regardez, regardez bien. Juste une démonstration, une seule démonstration. Laissez-moi, laissez-moi. Non, 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 non. Non, 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 il faut que vous voyez ça. Laissez-nous faire. C'est bon, ce n'est pas nécessaire. Laissez-nous vous montrer. D'accord. D'accord, d'accord. Vous êtes bon. Très bien. Merci, monsieur. Mais chef, je vais me spécher. Oh, non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, relax. Merci beaucoup. Vous voyez que vous êtes sauvé. Vous êtes bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Comment? Tu vois? À cause de l'argent, tout ça à cause de l'argent. Je n'ai jamais pensé que la bosse était aussi fatigante. Mais c'est fini. Les gars, bleus. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Mes gars, mes gars, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Il faut souffrir pour être riche. Donne-moi une cigarette. Je veux fumer. Tu veux fumer? Fais vite, fais vite. Ne te fatigue pas, hein. Okay, d'accord. Non. Et moi, c'était la bouche. Le cabreau, encore. Et ils arrivent. Box, 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 box. Papa, bonne arrivée. Bonsoir. Oui, bonne arrivée. Papa. Merci. J'espère que tu es allé à l'école aujourd'hui. Oui, papa. C'est vrai? Oui. D'accord. Mon chéri, bonne arrivée. Merci. Hey, Dieu. Ils m'ont payé mon argent. Hey, alléluia. Tu es bon. Oui, je vous ai dit qu'un jour,
Dieu les poussera à me payer cet argent. Hey, tu l'as vraiment dit, oh. Que personne ne l'apprenne, oh. J'ai compris. Bonne arrivée. Merci. Hey. Oh. Ah. Mon mari, ton repas est prêt. Je sais que tu es vraiment fatigué. Je suis fatigué. Hey, vraiment, bonne arrivée, oh. Merci. Excuse-moi, hein. Ah, j'ai peur, oh. J'ai peur, oh. Si mes parents apprennent ça. En tout cas, moi j'ai vraiment peur, oh. Maïkem, où allons-nous maintenant? Oh mon gars, relax, hein? Tu ne comprends pas? Pourquoi aller à l'école sans un sou en poche, hein? Nous devons avoir quelque chose. Maintenant, comment aurons-nous de l'argent? Relax, suis-moi seulement, hein? Relax seulement, suis-moi. N'est pas moi qui te parle? Moi j'ai peur, oh. N'aie pas peur, hein? J'ai fais peur, juste comme oh. Moi. Relax, hein? Regarde. Hein? Tu es un cas quoi, un vrai cas. Regarde-moi ça. Peureux, va, peureux. Tu vois ce que je vois? Ce coq. Chut, pas de bruit, pas de bruit. Tu sais ce qu'on va faire? Tu iras là-bas quoi, tu iras chercher ça. Moi je vais rester ici pour surveiller, voir s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive quoi, hein. Pas ça, tu pas vois, ça. Tu iras. Toi tu peux l'attraper, moi je reste ici. Mais écoute, ok. D'accord. Écoute, reste ici et voici à quelqu'un qui est en train d'arriver, d'accord? Comme tu as dit que tu ne veux pas partir là-bas, là, reste ici. Reste ici et regarde, je vais te montrer comment on fait. Hein? Je vais te montrer comment on fait. Ah mon gars, c'est bon, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, hein? Ikem, je ne sais pas où. Quoi encore? On ne peut pas prendre ça comme ça. Combien de fois je vais te le dire, hein? Ça, ce n'est pas un problème. Cette chose que nous avons attrapée. Tu as oublié mon nom? Ce n'est pas Sabi Sabi. Sabi Sabi. Si ça ne marche pas, je trouverai quelque chose d'autre. Je t'ai dit de garder ton calme, hein? Ne t'inquiète pas. Et comment on va l'appeler? On va l'appeler Madame Apiti. Personne ne va comprendre. Appétit. Tu vas voir, il n'y a pas de problème. A-P-I-T-I, mon gars. Tu verras, quand on va arriver là-bas, elle va l'acheter. Elle va donner de l'argent. Tu comprends? Elle pourra faire tout ce qu'on veut quand on veut pendant un temps, quoi. Hein? Tu comprends, non? Relax, mon frère. J'arrive. J'arrive. Bon appétit.
Madame de madame. Madame Abiti. Ah, Ikem, Ikem. Madame de madame. Comment va ta maman? Pas de problème, madame. vous savez, non, je suis juste pour les affaires. Quoi. Pas de problème, madame. Combien? C'est 2,50. 2,50, c'est bon. Ah! C'en est là. Quoi? Hein? Qu'est-ce que vous dites comme ça? Ce n'est pas bon. Écoutez, le dernier prix, c'est 1,8. Mais faut sachez! Un 8 néa seulement. Dernier non. prix. 150. Ah, pourquoi vous faites 150? Ça? J'ai dit un Whitner à madame, à petit. Pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi c'est comme ça? Regarde, ce n'est pas comme celui de la dernière fois. Ah, hein? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas ça que les gens mangent comme ça. C'est doux, c'est pourquoi vous en recommandez tout le temps, non? Vite, faisons vite. Hé, hey, Ikem. Madame, donnez-nous ça, d'accord. Pardon. Regardez bien, voyez bien. D'accord. Faut faire vite ça. Comment se porte tout le monde? Ça va, ils vont tous bien. Ils vont tous bien. Appétit, Ikem, appétit. Ikem. Hey. Merci, madame. Ikem, Ikem. Oui. Salut-moi ta maman. Merci, madame. Salut ta maman. Il n'y a pas de problème, je ne m'agrée pas. Hey. Voici pour toi. Voici pour moi. Je vais raconter. Combien tu me donnes? 60 naira. Pour qui me prends-tu? Okay. C'est toi qui as vendu ça. C'est toi qui a... Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? C'est toi qui as vendu le coq. C'est toi qui as vendu ça. Ah, enlève tes mains de là. C'est qu'est-ce qu'il fait? À votre attention! Le roi appelle à sa table pour une réunion la communauté tout entière. Le roi dit que son coq a disparu. D'autres aussi ont rapporté que leurs coqs ont disparu. Le village tout entier est terrorisé par des voleurs. Le roi en appelle au village entier pour des actions urgentes contre le vol. Tout le monde doit venir à cette réunion. Tous ceux qui ne viendront pas recorderont des conséquences. Ikem, tu as entendu ce qu'il a dit? Oublie ça, c'est pas à nous qui viendrons dire ça. Oh. Moi j'ai peur. Si mon père apprend cette histoire là, il va me frapper. Mais qui te bat, mon ami? Finissons de partager. N'avions pas fini. C'est quoi ça là, que tu es en train de me donner? C'est quoi? Ikem, attention, je vais te faire ça maintenant. Ikem, viens ici. Connard comme ça. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ikem, tu ne salues pas ma maîtresse? Tu es malade, c'est pas mon problème. Si tu veux, reste là, dis que tu es en train de saluer ta maîtresse. Saluer la maîtresse. Saluer la maîtresse, viens. Ijua, pourquoi tu n'es pas venu à l'école hier? Et tu n'étais pas non plus à l'école aujourd'hui. Ijua, je vois que maintenant tu as de mauvaises fréquentations comme ami. Madame, ne dites pas que j'ai de mauvaises fréquentations comme ami. Hier, j'étais rentré. J'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, ma mère m'a demandé de venir ici pour me reposer. Oui. D'accord. S'il en est ainsi, j'irai de ce pas voir tes parents pour leur conseiller de ne plus t'envoyer dans les rues, mais plutôt à l'école. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Ne le dites pas à mes parents, s'il vous plaît. Qu'ils ne l'apprennent pas, s'il vous plaît. Ah! Ijiwa, tu viens juste de me dire que ta mère t'a envoyé quelque part. Et maintenant ça? Ijiwa, tu as changé? C'est pas grave. N'empêche que je vais quand même voir tes parents. Si ma maîtresse dit ça à mes parents, qu'est-ce que je vais faire? Ikem. Ikem! Hey maîtresse, bonne arrivée. Merci beaucoup madame. Que puis-je vous offrir? Non, ne vous inquiétez pas. En plus, c'est pour la première fois que vous venez chez nous. Pas la peine madame. Soyez la bienvenue alors. Merci beaucoup. Vous voyez madame, je suis venue vous voir au sujet de votre fils Ijua.
Idiot est absent à l'école ces 3 derniers jours. Absent? Oui, madame. Vous êtes sérieuse? Vous pouvez lui demander. Idiot, c'est vrai ça? Absent à l'école pendant 3 bons jours. Mon mari, bonne arrivée. Merci. Bonjour madame. Monsieur. C'est la maîtresse de Idiot. Elle est venue nous voir. Alors soyez la bienvenue. Merci Comment monsieur. Les choses? Elle a dit que Idiot ne vient plus à l'école du tout depuis 3 jours. Idiot? Hein? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Idiot. Vous voyez, monsieur, je suis venu vous conseiller, tous les deux, de cesser d'envoyer votre fils dans la rue, spécialement pendant les heures de classe. Et, encore une chose, j'ai vu Jewa hier en train de partager de l'argent avec un garçon. De l'argent? Oui, monsieur. Jewa. Jewa, c'est à toi que je parle! À qui partageais-tu de l'argent? Oh! Idiot, toi, c'est bien. Bon, excusez-moi. Oui, madame. Je vais demander s'il vous plaît, à partir. Merci d'être venu. De rien. Merci de nous avoir informés. Merci à vous. J'ai apprécié ce genre de geste. Merci. Merci beaucoup. Madame, d'accord. Au revoir. Laissez-moi vous raccompagner. D'accord. Merci. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Merci. Idiot, assure-toi de venir à l'école demain. Il viendra. Au revoir. Merci. Merci, hein. Monsieur. Au revoir. Au revoir. Papa. Comme donc ça, tu manques le temps pendant 3 jours. Spécial, bien sûr. Pardon, papa. Pardon, papa. 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 Ça veut dire quoi? Pardon, papa. Pardon, papa. Ça veut dire quoi? Papa. Mon mari, pardon, c'est bon. Pardon. Pardon, papa. Mon mari, pardon. Pardon. Laisse-le. Alors, tu t'en fous? Enfuis-toi, reviens. Tu reviendras encore ici. Ça suffit. Idiot. 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 Mon gars, pourquoi tu es venu t'asseoir ici pour pleurer? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. Qu'est-ce que ton père t'a encore fait? Mon père m'a battu. C'est pour ça que tu es venu ici pleurer. Tu me fais rire quoi? Tu n'es pas une femme, hein? Toi, ton père te bat et tu viens t'asseoir sous un arbre, tu commences à pleurer. Ça devrait me faire rire. Non, j'ai pas dit que tu devais en rire. Je me souviens juste des jours où mes parents me battaient. Tu vois, quand je faisais des choses mauvaises, ils me battaient, mais je ne pleurais pas. Parce que quand tu pleures, c'est comme si tu étais coupable de ce que tu as fait quoi. Cette maîtresse n'est pas gentille, oh. De quelle maîtresse tu parles? C'est pas elle qui a tout raconté à mon père pour qu'il me batte. Oh, elle allait rapporter à ton père. Mm-hmm. Hein? Alors on doit planifier quelque chose pour lui rendre le coup, hein? Pourquoi tu perds ton temps? Hein? Au lieu de parler, prends ta revanche, faut pas la laisser comme ça, oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? C'est maintenant que tu parles. Tu es sûr qu'elle va venir? Ah, attends un peu, tu la verras tout de suite. Tu la verras. La voilà qui arrive. Tu la vois, voilà. Tu la vois. La voilà. Tu penses que ça peut toujours marcher? De quoi tu parles encore toi là? Tu as trop peur. N'importe quel coq viendra à ce niveau pour se faire prendre dans notre piège que tu vois là. C'est moi qui te le dis. Relax. Moi je suis fatigué. Hein? Relax, hein. Regarde celui qui vient là. Regarde. C'est plus de temps. Hein? Voilà. Tu vois, il vient par ici. Moi je n'y crois pas trop. Il va venir, donne-lui, il va venir. Il fait pas. Tu vois. Viens par ici, doucement. Et
essaye doucement. Tu vas regarder. Continue comme ça. C'est ce que tu vois. C'est quoi? Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. Lui cherche encore ici. Enfin. Ijoa, Ikem, hein? Qu'est-ce que vous faites ici, vous les deux? On parle déjà, monsieur. Rien du tout, monsieur. Ikem, on s'amusait juste. Viens. Vous vous amusez un peu. Voleur. Je suis innocent. Écoute, je ne te demande pas si tu es innocent ou pas. Tu vois ce garçon qu'on appelle Ikem? Ikem? Oui. Mais papa, Ikem est mon ami, il est innocent. Tu vas la fermer et écouter mes conseils? Ikem? Au temps de ses arrière-grand-pères, il n'avait pas une bonne réputation. Je ne veux pas que tu t'associes à ce Ikem encore. Plus jamais. Est-ce que tu m'entends? Je suis ton père. Et je ne peux pas te tromper. Oui, papa. Regarde. Si je te demande de me parler en bon français, tu n'es même pas capable de le faire. Et moi, ton père, je peux le faire. Est-ce normal? Oui, papa. À partir d'aujourd'hui et maintenant, ne t'associe plus avec ce Ikem. Tu m'entends? Oui, papa. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir avec Ikem, d'accord? Oui, papa. La prochaine fois que je te verrai encore avec Ikem, je ne serai pas gentil avec toi. Regarde ce que tu fais. Pas, c'est tranquille un peu. J'ai manqué maintenant ma cible, hein. Merci beaucoup, hein. Merci. Tonto viendra aussi. Maintenant, dis-moi comment on va faire. Fuir tous les poissons. Comment on va faire maintenant? Regarde. Que je te punisse. Tout ça, c'est ta faute. Non, mais reste tranquille. Que je te punisse. Tout ça, c'est ta faute. Maintenant, tu veux parler. Arrête. Regarde ce que tu fais. Maintenant, on va faire comment? Oh, Ikem! Arrête ça, là! Hé, attends, regarde là-bas! C'est celle-là qui m'embête l'autre jour! C'est cette imbécile de fille qui m'embête la dernière fois! Viens, si tu es une femme! Qu'est-ce que tu racontes là-bas? Quitte là, qu'il faut quitter là. Tu vois pas qu'on est en train de pêcher, hein? Tu sais pas que tu fais peur aux poissons? Tu nous déranges. Tu peux pas aller puiser un peu plus loin là-bas? Hein? Tu sais pas que tu nous déranges? Elle nous dérange. Ah! Laissez-moi vous dire, cette rivière n'est pas point particulier. Faut pas m'embêter. Si c'était pas à cause de ton père là, on allait te battre ce matin là. Tu allais voir même. Pour qui tu te prends? Hein? Les poissons sont partis. Attends, je vais lui faire ça, elle va voir maintenant. D'accord, il faut qu'on parte maintenant. Allons-y. Tu n'as même pas pu attraper un seul poisson, hein? Désolé de quoi, hein? C'est à cause de toi tout ça là. Je t'ai dit de pas aller là-bas, de le faire ici. Mais tu le faisais qu'à ta tête. Et maintenant tu souris. Va dire à ton père de t'apprendre. Et ne m'énerve pas, hein, pardon. Ikem? Il n'est pas trop tard, on peut encore essayer. Vas-y tout seul, tu m'as fait perdre déjà tout mon temps et maintenant tu me dis de revenir perdre encore mon temps. Comment? Bon, toi là, ça y est. Si tu oses dire quoi que ce soit là, hein? Tu veux t'assommer avec la bouteille là, tu vas voir. Si tu ouvres la bouche pour dire quoi que ce soit là, je vais te frapper avec la bouteille, tu vas voir. Je vais te donner un coup sur la tête là, tu vas voir maintenant. Vas-y tranquille, tu vas voir maintenant. Fais-la tomber dans l'eau. Vas-y. Que faites-vous là, hein? C'est cette fille-là qu'on a attrapée. Hein? Sauf ce qui peut. Madame Gou. Ah, mon client. Bonne arrivée, oh, assieds-toi. Je ne t'ai plus vu ça fait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de rentrer du village. Ah, d'accord, bienvenue. Et qu'est-ce que je vais te servir? Qu'est-ce que tu as là? Tout ce que tu veux, ça est. Viens. Donne-moi un plat.
Pardon, madame, c'est moi la pâte. Hein? D'accord, je viens. Donne-moi un plat, donne-moi un plat. Pardon, madame, donne-moi mon repas, je suis en train d'attendre. D'accord, ça y est, donne-nous. Je veux plus de sauce. Tu veux plus de sauce? Sauce, hein? D'accord. C'est quoi? Laisse-moi mon plat ici, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé. Ah, mon client, désolé, oh. Mon client, donne-moi 2 minutes, pardon. D'accord, oh. 2 minutes, oh. 2 minutes, ça vient. Allez. Donne-moi un piota. Allez, remuez-vous un peu, allez, donnez-lui ça. Ça y est. Ben, ça y est, pardon, j'attends, non? Oui. Depuis là, tu me fais attendre. Ne vous fâchez pas, non? Hey! Tu ne lui as pas donné l'eau? Oui, madame. Ça y est. Où est-ce que c'est? Allez, prends. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Et n'oublie pas de laver les plats, hein? Lave tout ce qui est là-bas, d'accord? Et votre visage m'est familier. Allez, vas-y, va laver tout ça. Ah. Madame Gao. Oui, patron. Vous l'avez fini? C'est très bon. Ou bien, j'espère que vous avez aimé mon plat. Je te félicite. Eh, merci. Pardon, je veux un cuir dedans. Donnez-lui un cuir dedans. Donnez-lui du cuir dedans. Alors, madame Gao. Mon client. Pour l'argent, garde-moi la monnaie. Oh. Pas de problème. Ah. Tu peux aussi nous laisser la monnaie. Ah, madame Gao. Ouais. Merci beaucoup. Ah. Merci. Madame, prenez pour moi aussi. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ma chérie. Dieu vous bénisse. Au revoir. Revenez nous voir demain. Excusez-moi. Allez, les filles, débarrassez. Madame, combien je vous dois? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur, votre visage m'est familier. Hein? Le tien aussi m'est familier. Hein? excusez-moi. Mon nom, c'est Tim. Oh, je m'appelle Coach. Coach? Oui. N'auriez-vous pas, par hasard, fréquenté à Obilonu dans une école? Obilonu? Oui. Quoi? Qui est-ce que je vois? Tim Thomas? Ouais! Ah! Attends. C'est toi, Ijoa! C'est moi, non? Oh! Ijo! Il y a longtemps! Bien! Regarde-toi! Toujours ces mêmes jambes! Avec ces mêmes yeux! Et toi-même! Oh. Je vois aussi que tu as cette même bouche! Et toi-même! Qui fait comme ça tout le temps, et tu as le même visage de singe, même des yeux comme quelqu'un qu'on va attraper bientôt. Ijé, comment ça va, mon gars? Tu vois, actuellement je reviens juste du village. D'accord. Dans plus de 2 jours je vais retourner là-bas. D'accord. Je n'habite pas trop loin d'ici. Voilà. Tu connais Baja? Baja, de quel côté? Au numéro 18, 18. C'est tu viens là n'importe quand. Et tu es devenu maintenant coach. C'est grave. Tu ne me voyais pas jouer avant. Je jouais, je tirais. Oh, toi là, tu es trop fort. Pas aujourd'hui. Alors, on se verra. Hein? D'accord. Il faut que j'aille à un rendez-vous très sûr. Hein? D'accord. Arrête.
Calme-toi. Laisse-moi. Désolé, désolé. Laisse-moi. Désolé, où est maman? Maman. Voilà ton petit frère, celui dont je t'ai parlé. Mon frère? Oui, c'est ton petit frère. Viens. Tu dis que cette chose est mon frère? Oui, ton petit frère. Regarde, ressemble aux gens d'Afghanistan. Paye-moi, pardon. J'ai pas su t'en payer, moi. Faut le payer, non? Je n'ai pas d'argent sur moi. Aide-moi, pardon. Attends, non. Mon frère, tu es dans mon village. Ton village? Moi, je dors ici. Donne-moi l'argent. Si on rentre, je vais te rembourser. Viens sur moi. C'est quoi cette affaire? Je n'ai que des pieds. Donne-lui, non. Je n'ai rien sur moi, là. Si je vous donne, vous prenez, vous ne payez pas l'argent. Pardon, paye-moi. Cette chose-là, cette moto-là, j'ai trois, les gosses. C'est toi le client, je sais. Qui me conduit ça là, je n'ai pas même pas l'argent chez eux. Et après, toi, tu me parles comme maintenant ça. Donne-moi mon argent, je sais. Calme-toi. Donne-moi mon argent. Donne-lui, non, je vais te le rembourser. Parce que je ne sais pas pourquoi celui-là, il me parle comme ça. D'accord, si tu me vois, les gosses, tu ne prends même pas me parler comme ça. Je sais. Donne-moi mon argent et je m'en vais. Hein? Je m'en vais de ton village. Donne-moi mon argent, pardon. Bon, il faut partir maintenant. On y va. Il faut venir. Voilà la maison là-bas. Où le village se développe bien. C'est bien développé maintenant. Regarde même la route. Sinon, tu te rappelles les sentiers, comprenez? Oui. Non, laisse. Calme-toi, allons-y. Dieu merci à toi de l'avoir ramené à la maison. Hey, Ijoa. Maman. Oh. Maman, pourquoi tout ça? Hey. Bonne arrivée. Bonsoir, maman. Bonsoir. S'il te plaît, oh, mon fils. Maman, oui. Voici du pain. Oh. Je t'ai apporté du pain de Lagos. Hein? C'est du bon pain. Deux bon pain pour toi. Hey, Dieu te bénisse. Oh, Dieu te bénisse. Deux bon pain pour toi. J'ai compris. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Oh, non. Arrête là. Maman, alors comment te portes-tu? Ça va, oh! Vroom! Maman, pourquoi Hiro ne peut pas manger dans le canapé? Maman, ta sauce est bonne. Je savais que tu allais adorer. Ça faisait longtemps. Bien sûr. Comme tu as décidé de ne plus revenir à la maison encore. Non, maman. Bien. Ijoa. Maman. Tu sais que maintenant tu es le chef de la famille. Et que ton père n'est plus. S'il te plaît, quand tu retourneras, n'y reste pas longtemps. Maman, je t'ai entendu. Je n'ai aucun problème. La seule raison pour laquelle je suis revenu à la maison, c'est parce que pour vivre à Lagos, on a besoin de la carte verte. Oui. Carte verte. La carte verte, parce que quand tu as la carte verte, à Lagos, tu peux vivre aussi longtemps que tu veux. À Lagos. Comme maintenant je suis
un imbécile indigène de Lagos. Hein? De tout Lagos. Dieu merci. Dieu merci, oh. Dieu, je te remercie. Je suis heureuse pour toi. Maintenant, maman, je veux un peu d'argent pour compléter et prendre mon billet pour retenir à Lagos. Bien. C'est seulement les 1000 naira que tu m'as donné. Je n'ai plus aucun sou. Les 1000 naira que je t'ai donné? Ah, oh, tu vois ça? Ça, c'est le problème que tu as quand tu rentres à la maison. Sinon, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai donné ces 1000 naira? Quand je venais, j'ai pensé à cette vieille femme. Et quand tu es venu, tu ne m'as rien apporté, tu vois. Et tout le monde viendra demander pour lui et je vais tout dépasser comme ça avant de m'en rendre compte. Sinon, je t'aurais donné 20 000 naira. Tu as compris, non? Mais il y a un problème. Maman, tu peux demander à mon oncle aîné. Tu peux demander jusqu'à 9 naira à mon oncle aîné. Quand j'arriverai à Lagos, je t'enverrai tout l'argent par Western Union. Western Union? Oui. Western Union, c'est de l'argent? Ne t'inquiète pas, maman. Si j'envoie l'argent ce matin, dans l'après-midi, l'argent te parviendra. Quelqu'un viendra juste taper co-co-co-co à la porte et ils diront juste « Madame, voici votre argent » et te donneront ton enveloppe contenant l'argent. Oui. Alors ne t'inquiète pas. Hein? D'accord. Je t'apporterai de l'argent. Hein? La banque veut m'employer, maman. Le problème est que les gens ont de l'argent à Lagos. C'est pas que c'est la guerre. Chacun vit à sa façon. Je travaille à la banque. Et recherchez pas d'autres banques. Mais ils me doivent de l'argent. Ils me doivent beaucoup d'argent. Des millions et millions de naira. En plus, c'est comme cette banque de... Zouzalan. Ils me paient en dollars. Cette banque-là, qui est grosse comme ça? La grosse banque. Et si j'apporte cet argent dans cette maison ne peut pas la contenir. Hey! En plus, ce que je veux faire, c'est de construire une nouvelle maison. Hey! Ça ira tellement haut! Hey! Jésus est bon! Hein? Oui! J'ai acheté un bateau, hein! Bateau? J'ai acheté un bateau! Quelques millions! Toi? Oui! Et la seule chose, c'est que je vais essayer d'enlever une docha. Tu connais Nocha, les choses qu'on utilise pour construire. Oui, je vais essayer d'enlever ça. Ils n'ont qu'à écrire notre nom de famille. Et ils vont effacer tout leur nom dessus. Et moi, je vais peindre ça. Mettre ça au pompe et t'envoyer ça. Et au fait, notre rivière là. Je vais ouvrir un barrage sur la rivière. Avec un bateau. Et ça va venir directement à la maison avec le matériel pour construire la maison. Hein? Oui. Alors, tu écriras MBA. Mba. Oh. Mais il faut que je rentre, il faut que je retourne. Il faut que je retourne à Lagos, pour ce dont je t'avais parlé. Et tu sais, quand tu as la carte verte, tu peux revenir n'importe quand. Aussitôt que j'aurai ma carte verte, je t'amènerai vivre à là-bas, à Lagos. Hein? J'ai compris, oui. Alors ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai. Je reviendrai, crois-moi. Il n'y a pas de problème. Attention à toi, hein. Et toi, mon frère, hein, tu vois, il faut penser des fois à te raser. Il faut te raser, Hiro, il faut te raser. Un rasoir, je t'en apporterai, hein. Tu feras. D'accord, maman. On va se dire au revoir ici. D'accord. Bon retour à vous. Bon retour. Bonsoir toi, maman. Au revoir, maman. Merci beaucoup, mon fils. Merci maman. Beaucoup. Maman, tu diras à Hiro de ne plus conduire des pneus encore. D'accord. Je lui achèterai une moto. D'accord. Pour conduire. Hiro. Hiro. D'accord. Alors, tu as entendu ce que j'ai dit, hein? Essaie de ne plus reprendre ça. D'accord, mon fils. Maman, très bientôt, je viendrai te chercher pour t'amener là-bas. D'accord. Dès que j'aurai ma carte verte, on n'aura plus de problème, hein? Je vais te rendre heureuse.
Tu deviendras une princesse. Et tu vas porter des choses et tu vas marcher comme ça. Au revoir. D'accord, mon fils. Bon retour. Au revoir, maman. Au revoir. D'accord. Vous êtes sûr que vous pouvez vaincre le champion? Il vient de Cuba. Quoi encore? Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Le boss vient d'où? De Cuba. Faites-le venir. Qu'il vienne par train. Ou voiture? En avion. Oh, avion. Oh, tu as sauvé quelqu'un et... Si c'était pas un autre moyen. Mon boss et moi, nous allons nous occuper de lui personnellement. Et nous allons finir avec lui et revenir ici. Oui. Et mes chefs, n'oubliez pas un point sur lequel on ne s'est pas encore prononcé. Hein. Parce que si le monsieur vient, nous en finissons avec lui, c'est vous-même qui allez dessus. Ne vous inquiétez pas. Un coup KO. Un coup KO. Vous en êtes sûr? Un coup KO. Oui, c'est ça. C'est ça.